J'ai 24 ans. J'ai fait l'école du Théâtre National de Strasbourg en régie il y a un an et demi. Enfin, je suis sortie il y a un an et demi. Voilà. Et donc, j'ai appris à la fois la lumière, le son, des choses assez vastes en régie, mais j'ai voulu assez rapidement, à partir de la troisième année, en tout cas, me spécialiser plutôt dans le son. Et depuis, du coup, quand je suis sortie de l'école, j'ai tout de suite eu la chance de pouvoir travailler sur une création sonore de spectacle avec une metteur en scène, avec qui j'ai retravaillé par la suite. Et du coup, là, c'est ma troisième création sonore depuis que je sors de l'école. Bah, du coup, ouais, y a deux axes en fait de travail, mais qui sont assez communs souvent dans des créations. C'est enfin à la fois la spatialisation du son et à la fois la matière, qu'est-ce qu'on diffuse en fait dans cette spatialisation-là. Il y a le son vraiment qui fait partie de la pièce, donc des bruitages qui sont inclus dans le texte, des sonneries, l'entrée de l'appartement, voilà des choses dont ils ont vraiment besoin. Et après, il y a tout l'accompagnement musical en fait, où là c'est un peu l'univers de ces personnages qui, en fait, ce qu'il a voulu montrer Joël, c'est que c'est des jeunes et qu'ils ont besoin d'écouter de la musique tout le temps et que c'est leur environnement naturel en fait, c'est d'être baigné dans de la musique constamment en fait. Donc il y a cette espèce de musique qui est vraiment très très présente tout le temps et qui permet cet accompagnement-là. Avec Thierry Arnold, pour la spatialisation, on a imaginé du coup des enceintes qui puissent correspondre aux besoins du spectacle. Donc, par exemple, il y a une enceinte qui est vraiment dédiée à la télé, plus particulièrement. D'autres enceintes qui sont placées derrière les cloisons du décor, qui vont être plus des sons hors champ en fait, mais qui font partie de la vie des quatre personnages. Et deux autres enceintes qui sont en salle, qui vont elles plutôt être dans une mise à distance en fait du spectateur par rapport à l'action, plutôt dans des choses moins réalistes, des nappes sonores, des choses plus plus oniriques peut-être ou poétiques, je sais pas. Et donc voilà, on a vraiment pensé cette mise en place tous les deux pour arriver au mieux à quelque chose qui corresponde à ces besoins-là, quoi.